Salut à toutes et à tous, c'est le W Chris et on se retrouve sur le troisième épisode de Battle 3, le mode coop en compagnie de Striker. Et donc c'est la mission qu'on déteste le plus et qui sera certainement l'une qui durera le plus longtemps, je pense. Voire certainement. Donc voilà. Vas-y, tu peux expliquer à quel point tu aimes cette mission. Tu veux que j'aille un con, quoi? Mec, il est mort, ouais, il a même pas retiré son putain de rire de merde. Vois le commentaire, hein. Génial. Salut toutes et à tous, c'est Striker. Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième épisode de la coopération. Donc, je suis avec Chris, hein, le gogol que j'ai laissé parler normalement tout seul pendant 1 minute. Hein. Donc voilà, faut que je vous explique vite fait un truc, c'est que Chris a la fâcheuse tendance de parler à mon ordinateur alors que je suis pas là. Que voilà, je Mais non, n'en peux mais pas c'est la. quoi ton logiciel qui répond quand t'es pas là? Enfin, je vais vous expliquer Il y a un vite. logiciel que quand il est pas avec son ordinateur, Skype, ça répond tout seul. En fait, je vais vous expliquer vite fait ce qui s'est passé. Donc là, en fait, entre le deuxième et le troisième épisode, on est parti manger tous les deux. On a raccroché Skype du coup. Enfin, je pense qu'il était debout. Et en fait, 3, ça. 2, 1. Et en fait, mon logiciel de record de voix, si vous voulez, en fait, au moment où il a raccroché, moi, j'avais pas fini, j'avais pas fait, enfin, j'avais pas, en gros, fait fin de l'enregistrement. Et du coup, en fait, il était toujours en fait en marche, mais j'ai l'impression qu'en fait, il s'était mis en stand-by à moitié. Et du coup. J'ai l'impression qu'en fait, donc quand il est revenu manger, moi je n'avais pas fini encore. Vas-y, je prends celui qui est à droite. Hein. Ok. 3, 2, 1. En fait, mon logiciel. Position compromise. C'est une connerie là. Qui nous a alerté, franchement, là? Regardez dans la pièce, hein. Qui nous a alerté? Ça. En fait, mon logiciel a répondu à Chris du coup, mais ça disait rien. Et apparemment la deuxième fois qu'il a appelé, apparemment mon logiciel lui aurait parlé en anglais. Et du coup, en fait, j'avais l'enregistrement vidéo, enfin vidéo, j'avais l'enregistrement audio. Donc de quand il lui répond, parce qu'en fait mon logiciel au final, il marchait toujours. Et donc je me suis tapé une barre juste avant. Parce qu'en fait, lui a pas compris lui. En fait, j'entends Chris, il fait... Il fait I don't speak English parce qu'en fait mon logiciel il est anglais je crois. Et en gros il est en train de parler tout seul à mon logiciel. Après il fait ah mais vas-y pas qu'on traîne là comme ça on finira vite et tout. Taper des barres putain. D'ailleurs, est-ce qu'on recommence pour leur faire voir comment être discret ou... Ah oh, bah non bah suffit en fait de les tuer voilà suffit d'avoir une bonne. Déjà faut absolument avoir un micro avec la personne avec qui on joue hein. C'est normal. Aussi rappelez-vous d'un truc, il est à l'avant du 4x4 hein. Au passage parce que bon. Il est là. Là vous le voyez. Il est joli. Voilà. Donc maintenant vous saurez si vous voulez vous mettez un petit logiciel pour parler à Chris et ça l'amusera. Enfin bref. Voilà comment je rentre vite. Ah et là ça va être comme un con. Ah merde, si il y en a un troisième. Ah il t'a un peu loupé je pense. Qu'est-ce que tu parles? Je sais pas. C'est vraiment de la merde d'ailleurs ce viseur. Si seulement il avait un x6 le zoom. Oh putain. Le zoom du de la lunette d'un sniper en multi, c'est très bien. En fait c'est pareil en multi cette lunette pour les snipers. En Sauf qu'en fait c'est en x1, voilà, donc c'est un peu merdique. C'est donc en dommage. Sinon gros, moi. c'est cette visée mais encore moins que la vue normale. Voilà. Parce que la vue. La lunette que vous avez de base normalement c'est soit une x6, soit une x8, soit une x7.
En général, c'est... Bah, x8 américaine, x7 russe. Voilà. Donc là, vous vous souvenez, je vous avais dit, il est... Souvenez-vous qu'il est devant, et là, il est passé derrière. Hein. Bon, il se téléporte, en fait. Juste après que, juste avant que le gars, il dise on y va, bah, il se téléporte. Voilà. Bon, on l'a passé quand même rapidement, hein. Ça a peut-être été... Ouais, j'avoue, c'est pas loupé. Enfin, on n'est pas encore mort. Bon, on s'est loupé niveau discrétion. Mais bon, c'est pas grave, au bon, pire. Enfin, un bug, hein. Désolé, mais qui a alerté? Alors, je sais peut-être ce qu'ils ont fait, ils vont peut-être nous dire, oui, c'est les caméras, mais faux, la caméra ne peut pas voir à travers les murs. Ouais. Vous voyez, en plus, je sais pas si vous voyez la vite fait, juste avant, je stop, juste avant de voir dans le viseur, vous voyez, quand c'est dans le viseur, c'est la crosse, elle est jaune. Et là, juste avant, vous voyez, elle est rouge. Faut voir vite fait, juste avant. Elle est rouge. Je sais pas si vous verrez ça. J'ai vu ça, ça me vient fait rien. Enfin, ça me vient fait rien. Tu fais plein de flashs, tu fais comme des flashs, les viseurs. Ouais, voilà. Ouais, bah, c'est ce que j'ai fait, mais... Wow. GG. Moi je suis à mon petit endroit. Tant pouce moi. Ouais, donc MW3, je pense qu'on fera aussi le coop. Bah du coup oui, si on a l'occasion de le faire. Perso, moi je l'ai adoré, le coop de MW3. Ouais. Non, perso, MW3 en plus, même en multi, c'est un jeu que j'adore. Contrairement à beaucoup de personnes. Je pense aussi je vais faire un peu plus de multi ces temps-ci. Parce que là bah du coup en fait pendant un moment je pense que vous n'allez pas avoir de multijoueurs. Oh merde. Vous n'allez pas avoir beaucoup de multijoueurs là pendant un moment. Enfin vous allez même je pense pas du tout en avoir au final. Peut-être la première semaine. Parce que là faut savoir qu'en fait ce que. Fais gaffe, ce qui va se passer en général c'est on va tourner les vidéos le week-end et je les upload moi dans la semaine. En fait, faut savoir qu'on peut pas énormément jouer ensemble. C'était quoi ça? Eh, je commence trop à flipper dans ma maison. Hein. Il y a des ordinateurs qui parlent et puis et des trucs qui tombent. Pourtant, je suis assis sur mon tapis et pas sur mon canapé. Hein. Je suis devant mon ordi là. Eh, mais ça me fait trop flipper ma maison. Oui, donc maintenant vous savez que chacun n'a pas assez d'argent pour avoir un canapé. Et arrête, ça fait trop flipper. Bah, tu te fous ma gueule, j'ai pas assez d'argent pour avoir un canapé. Juste un canapé, à peine. À part ça, tout va bien. J'ai un canapé, j'ai un pouf noir. Moi j'ai canapé, mais j'ai pas de pouf noir, j'ai un canapé. Bah le pouf noir en fait il est bien aimé par mon chat. Pour ceux qui connaissent en fait c'est avec des boules de polystyrène. Je sais pas si vous connaissez en fait, ça prend votre forme dès que vous allongez, c'est avec des boules de polystyrène. C'est génial. Très confortable pour dormir, je préfère juste dire. Bah en fait au début pour se relever c'est... Enfin s'il est neuf pour se relever c'est vachement dur. Mais une fois que vous avez l'habitude ou alors une fois qu'il est un peu usé, bah c'est un peu plus facile. Ça va, t'as fait un peu chaud sinon? Ah, un peu chaud, hein. Ah, il a encore pété la porte. Ouais. Ah, puis là, on voit pas normalement, en fait, si vous regardez, au moment où vous allez chercher dans sa petite maison, en fait, il a un œil vert et un œil rouge. Regardez aussi, regardez. Je sais pas si vous voyez bien. Arrête. Voilà, je sais pas. Arrête. Je sais pas si vous voyez, là, vous voyez, il fait une tête normale. Et regardez, dès que je lui tire dessus, il va faire un grand sourire. Vous avez vu? Je sais pas du tout si ça se verra sur la vidéo. Attendez, j'ai essayé de regarder sur mon logiciel de capture. Arrête. J'essaie de regarder. Arrête. Je suis crevé. J'ai la terreur. Attendez, je regarde. Il y a un petit retard. Ah, ici on voit. Bon, voilà, ça c'est marrant. Bon. Puis au passage... J'ai tiré sur le mec qui a la mitrailleuse en face de nous. L'immortel. Non, bah, non, arrête, je suis mentalement. Faut pas nous tuer quand on est dans les véhicules. Par contre, c'est mort ou il bouge pas du tout le mec là. Il sait qu'il va mourir. Ouais, en fait, je regardais voir s'il y avait des millions de chars par terre, mais il y en a pas. C'est bizarre. Faut encore que tu touches à une certaine heure aujourd'hui ou pas? Bah si c'est encore pour plus... Ah bah voilà mec qui tombe à l'infini. Ah oui bah c'est pour ça que minuit pour Chris c'est tard. Déjà vous savez que 20h35 pour lui. Oui donc là vous avez des hommes qui tombent. non ce n'est pas un bug, c'est la réalité des choses. Je sais pas si vous avez déjà vu en fait, essayez un jour avec vos amis, voilà. Il y en a un qui se met sur un pont
et l'autre il fait péter le pont en dessous de ses pieds et normalement il tombe à l'infini. Oui. Ouais, dans la vraie vie. Non, non, j'ai pas fumé, pourquoi? Vous croyez? Non, mais c'est que j'étais complètement crevé et que j'ai un CCF à réviser, donc... CCF, coefficient de... Coefficient de conneries. Fétus. Non, le F, sérieux. Fécal. Bah non, fécal, c'est par le cul, je crois. Bon. Donc, non, un autre truc de jeu. Un homme mouton? Non. Si je puis. Autre jeu. Sinon, on va être compté comme raciste. Oh, pourquoi? J'ai même pas compris. Parce qu'on tue des arabes et on parle de moutons. Oh, mais ta gueule. Oh, bah, et tu le rapport avec les moutons par contre? L'agneau. Et l'agneau, c'est un mouton qui est jeune. Ouais, je t'ai appris un truc. En plus sur la vie des animaux et la vie religieuse. Et d'ailleurs, avec... petite dédicace à un ami qui se surnomme Mouton. Ah, moi c'est Moutmout dans mon lycée. Mais elle aura pas la vidéo, je pense. Ah, moi je lui parle que j'ai une chaîne YouTube, mais je pense pas que je vais lui en parler. Parce que je pense qu'il s'en foutrait tout simplement. Mais oui, mes amis me supportent beaucoup. Ah d'accord, putain. Tu vois, comme vous pouvez voir, en fait, il y a un film sur Just Cause 2. Censuré. Ouais, j'ai plus mon sniper. Moi je l'ai encore. Tu le veux le mien? Bon, je suis mort de toute façon. Waouh! Sinon ça va, t'as pas trop l'impression de viser un truc inutile là, le mur? Ton arme. C'est vrai. Bah ouais, mais... Non mais je parle au mec, parce que lui il sait pas l'utiliser. Ah, il sourit! Oui, t'as vu? Quand tu te dessines, il fait un grand sourire. Trop un bolos ce gars. T'es trop marié. Bien. Gros con. Oui, il traverse le mur, bah sinon ça va, attends. Ça va, on vous dérange? Non, parce que sinon la porte elle est ici, pas ici. Oh, ma mère, désolé, bah, tu t'es mis là. Vas-y, attends, bah, je les attends derrière le mur. Ah, pour finir la mission, visez le mur et attendez. Ouais, attends, en tirant, s'en sort derrière l'américain, des fois j'ai dit marqueur. Tu vois. Ah bah oui, les autres sont derrière. Et t'as pas un sniper? Ouais, elle a mis la snipe. Non, en fait, faut... Mode putain, j'essaie de ramasser une arme. Là-bas, sur le côté. Non, 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 pour le côté à terre. Bah, parce que je suis mort. Vas-y, mec, tu l'es. T'as besoin d'aide, je dis. Prends mon sniper. Yo. Ah, enfin, dans mon élément. Ah, ça rentre pas les Wallbang. J'ouvre le feu! Ah! Merci, touché! Hop, hop, hop! Oh, 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 oh! Ils ont tous spawn! Ah, t'es prime réel ou pas? Allez, t'inquiète, je peux en sniper certains avec la KH. Voilà. Mais en fait, je vais tuer pas vite comme ça, ce sera pas trop chiant ce moment-là. Mais par contre, je risque de mourir pas mal de fois. J'engage. Regarde, ça arrive là en face. Je sors l'arme d'assaut. Wow, wow, je prends des balles sur le côté.
T'as vu comment j'ai volé ou pas? Ah, un peu. Ici 6-6, on s'est allumé. Quand est-ce qu'on va pouvoir les évacuer? À vous. Ok, donc il y a Hugo qui arrive là. Une fois les quelques centaines de mètres se transforment en kilomètres. Ouais. J'ouvre le feu! Oh RPG grenade! Je marque! Va dans la planque, va dans la planque! C'est bon. Putain, vas-y, il a fait exploser deux bagnoles. D'ailleurs, tu verras comment. Tu sais la mission de MW3, les snipers. Ah oui, oui. Celle-là, j'avais fini dans le top 1000 mondiaux. Sans avoir fait ma technique. En fait, j'avais trouvé une autre technique pour gagner, je crois, 15 secondes. En gros, je rechargeais une fois pour tous les ennemis tués. Tu les ceux qui sont en haut là. Ceux qui sont en haut, ok. Ah bah ils m'ont eu. Alors expliquez-moi, là franchement, heureusement que j'ai pas la GPVR sinon j'aurais encore plus rager. Ils ont pété deux fois la même bagnole, elle a explosé deux fois la bagnole. Attends, y'a un truc derrière toi. Une RPK. Vite, y'a les deux fois. Le paquet est en route. Là tu as envie d'aller au chat. On va pas droit de descendre. Ah oui, là tu as bugué je pense hein? Sinon. Ah bah regarde, il est d'accord. Ah oui, ça va être le mec avec toi, voilà, hop, il le traverse et hop, il reste en bas, voilà. Au revoir. Bonne journée. Et donc voilà, c'est quand même 17 minutes de vidéo. C'est pas mal. On aura fait 10 000 points et donc bah moi au final je vais pas trop argumenter comme les autres fois et je vais vous dire à la prochaine pour Delete 8. C'était le mot de la fin.